C'est pas grave. Alors. Donc. Le nord, c'est par là. Donc l'est, c'est par là. Donc partons vers l'est. Faut que je recherche une petite forêt reconnaissable vers l'est, c'est ça? Oui. C'est ça, par hasard, votre truc? Parce qu'avec la tempête, là, où on voit pas à 2 mètres, ça va être pratique. Professionnel streamer, by the way. Toi ou moi? Parce que moi, non, hein. Moi, soyons très clairs. Je suis pas professionnel streamer du tout, hein. Je suis professionnel mec qui répond au téléphone à des mecs qui en ont marre de leur vie de merde. C'est... Voilà. Zelda chez Sony, lol. Ok. Ça ressemble à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Ah, si, il me semble que ça peut être ici. Ou pas, mais c'est pas grave, c'est toujours cool d'avoir trouvé ça aussi. Alors. J'en ai assez des machins ou non, je dois en avoir 3. Oui, c'est ça. Ok. Et ça, on l'avait noté avec quoi? Ne me dis pas que j'avais utilisé les putains d'étoiles pour ça. Si j'avais utilisé les putains d'étoiles pour ça. Le con! Bon. Remplacer le tampon par ceci. Voilà. Hop là. Donc remplacer le tampon qui doit être là en bas. Où je l'ai foutu. Ici. Par ceci. Ok. Et là, tu vas me foutre un petit tampon, étoile. Est-ce que la grande fée pourrait se situer près de la fontaine de la grande fée? Beaucoup de questions et finalement beaucoup d'interrogations aussi. Je veux dire, ce serait absolument pas logique que la grande fée se situe dans la fontaine de la grande fée. Quelle logique ça aurait? Réponse, aucune. Aucune logique. Ça serait complètement insensé. Je veux dire, mais personne ne pourrait même se faire à l'idée que ça pourrait être ça, en fait. Pas de la folie furieuse. Alors. Pas ma faute si on demande si tu joues sur PS4. Ah oui, pardon, Renegat 6666. Non, je ne joue pas sur PS4, je joue sur Switch. Apprendre le sanctuaire qui est dans la spirale. Un sanctuaire dans la spirale? Le nom de notre groupe, c'est Spirale Mystique. On va peut-être changer de nom. Une spirale, ça, c'est quoi votre truc? Ah, la spirale là-bas! Je peux essayer de faire ça. Du coup, on va pas finir le jeu ce soir si on commence à faire les sanctuaires. Bon, attendez. Il y a trop de choses. Un bail à la fois. D'abord, on fait la fée. Ensuite, on va éventuellement jeter un œil sur le sanctuaire. C'est que ce truc? Ah oui, non, c'est déjà... Oui, pardon. On va utiliser le super pouvoir du bain tourbillon pour aller regarder ça. Ah, on va être un peu court, jeune homme. Je devrais pouvoir poser mes pieds sur la surface là. Du coup, faire de la grimpette sans que ça pose trop de problèmes. Nickel. Perfect. Alors. Oh merde, il flotte! Tourne la tête 10 secondes, il flotte. Et j'ai plus de trucs pour grimper magiquement. Oh, fait chier. Oh, mais ça fait tellement chier. Là, c'est sec. Techniquement, c'est sec, là. On est à l'abri de la pluie.
Bon, le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à monter à temps. Mais techniquement, là, on est à sec. Ça, c'est plutôt cool. J'arrive à me déplacer légèrement sur le côté, je trouverai peut-être une sorte de safe spot. Un orage. Je vais me demander 10 000. Non. Non, non. Non, 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 non. Ah putain. À 3 mètres du bol de sangria, ça va sérieusement être le bail là. Jeu de merde. Alors. Bon, plan B. J'ai une technique pour escalader quand il pleut, tu grimpes un peu, tu sautes et à chaque fois tu perds un peu moins de hauteur. Oui, non, si, je sais. Je sais, monsieur Blush, mais même avec ça, tu montes à 2 à l'heure et c'est pas assez pour une montagne qui était de cette hauteur-là. Mais oui, j'ai déjà tenté ce truc-là, c'est une idée, c'est pas forcément celle que je mettrai en place, mais why the fuck not? Moi, je suis ouvert aux propositions un peu byzantines, hein, ça ne me dérange pas. Ok. Là, comme c'est un orage, il faut absolument que je me déséquipe de mes trucs en métal parce que sinon je vais en prendre plein la gueule de nouveau. Alors. Voilà. Ah, mais je l'ai déjà découverte celle-là. Parce qu'elle me semble grande ouverte. Comme un tampon Vanilla Pocket en corolle, en fait. Ouh, des fleurs armo, ça c'est utile. De toute façon, faudra qu'on retourne à la fontaine de la première fée aussi pour faire le plein de fées, justement, vu que j'en ai grillé une ou deux. Des carottes! C'est cool les carottes. Bon, pendant qu'un orage est en train de littéralement foutre le feu au secteur. Donc toi t'es déjà découverte. Louche. Entendu. D'accord. Ok, donc en fait tu es le même. D'accord, très bien. Bon. Alors là, en fait, Mr. Blusha, on va pas se mentir, on s'éloigne de plus en plus de cet objectif-là. Mais on va essayer de battre Ganon ce soir, on va dire. Alors, juste 2 secondes. Et en fait, l'ordre dans lequel tu les actives. Genre, elles sont pas uniques. Genre, c'est foutre rien, mes amis. Apparemment, faut qu'on aille jeter un œil là-bas. Pour terminer. On va pas faire la quête de pousser le rocher, là. Mais est-ce que ça voudrait pas dire, du coup, qu'on va exactement... Pour moi, ce fut la quatrième fée qui demande 10 000. Bon, bah, on va juste lui rendre une visite. De courtoisie. Parce que je suis un homme de la courtoisie, moi. Et il y a un sanctuaire juste à côté, en fait. Ok. Alors. C'est la meilleure fée dans le désert à chaque fois. Bon. On va faire un tour. Une fois que ça s'est fait cuisine, et une fois que ça s'est fait Ganon. Boom Ganon, plus fort que la douleur. Oui, elle était à chier cette vanne. Oui, je suis entièrement d'accord. Pense à faire les plats pour résister au chaud. Non, je vais prendre ma tenue de soubrette là, ça sera très bien. Avec la tenue de soubrette, je devrais être garanti.
Alors. Tenue de soubrette, tenue de soubrette. One time, two time, three times. Ok. Et apparemment, on peut louer un phoque de l'espace là gratuitement. Elle m'a dit. Je crois que c'était Scam Blast. Voilà. Je peux essayer de les contrôler, mais comme les chevaux, en fait. Ou... Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Merci, mais je suis en train de faire un truc qui réclame un minimum de discrétion, donc si tu pouvais ne pas me gueuler dans les oreilles quand je le fais, ce serait vraiment gentil de ta part. Ok. Alors, par où on part? Tu fais le tour et tu descends. Ok. Ouais, comme si je connaissais la différence. Alors. À l'aventure, compagnon! Là-bas, ça ressemble à ce qu'on cherche. À première vue, je dirais. Je me demande si on n'est pas passé dans le coin de ce truc-là pendant le boss fight. Ah, mais il y a du monde dans votre merde. Donc non, c'est pas de là, ça doit pas être là ce qu'on cherche. Ok, à plus. Ça, c'est pas le grand fossile. Je me demande quelle gueule il a, le grand fossile. Non, on va mettre une tenue. Ça suffira largement. Sers-toi de marrage quand tu veux. La côte de la tempête de sable qu'on n'a plus aucun visuel, c'est ça? Ok. J'espère que je suis dans la bonne direction. J'ai l'impression de voir une silhouette au loin, mais je ne sais pas si c'est la bonne. J'ai l'impression que c'est la bonne. Oui, j'ai l'impression que c'est bon. Ok. Quel talent! Herbe piment, ça peut être super utile à un moment. Herbe volt, ça peut être super. Herbe gagla. Ah oui, il y a tous les types d'herbes qui poussent ici en fait. Princesse de la sérénité. Herbe volt. Ah oui, c'est le coin des herbes ici quoi. C'est le coin des super herbes qui font zizir. D'accord. Alors. Activation du sanctuaire déjà pour commencer. On a le point de TP au cas où. Et maintenant, on va voir si effectivement il me demande 10 000 balles, que j'aurais pas. J'ai toutes les photos pour l'encyclopédia. J'en ai 11 sur 12. La dernière étant dans le château de Ganon, est-ce qu'on m'a dit. Donc pour l'instant, non. Jeune homme, écoute ma requête, vas-y. Fente Fetara, fontaine resplendissante, don rubis plus en plus rare. T'en prie, offre-moi quelques rubis. 10 000 rubis devraient suffire. T'as vraiment cru que j'étais faite de pognon josienne. Je te les donne!
n'a pas assez de rubis, c'est dommage, vraiment dommage. Oui, c'est ça. Allez, on jouera à Farming Simulator à l'occasion, mais voilà. Faire 60 000 par heure. Plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard. Rentrer dans un donjon à moitié à poil, est-ce une bonne idée? Eh bien, nous allons découvrir ça dans quelques instants. Spoiler, c'est probablement pas une bonne idée. Écoute ma prière chantée Axel Red, mais voilà! Les vraies références, quoi. J'ai marché sur la terre entière, écoute ma prière ou une connerie comme ça. Ah, c'est de nouveau une quête chiante avec de l'électricité, youpi. J'adore les quêtes chiantes avec de l'électricité. C'est mon grand kiff dans la vie. Alors. Quoi le concept cette fois? Non. Lancer. Péter. Prendre le bon pouvoir. Ah oui, du coup, faut juste... Ok, d'accord. C'est exactement ce que je voulais faire. Je sais que ça paraît pas évident à des yeux de personnes qui ne sont pas entraînées comme vous, qui ne sont pas des grandes stars du jeu vidéo sur Internet, mais c'est exactement, ce que je voulais faire, en fait. Je sens que ça va super bien se passer, cette quête. Je sais pas pourquoi, j'ai un très bon feeling. Alors. Je peux tirer les... Oui, d'accord. La porte est en grande ouverte. Lentement, il faille doux, comme on dit. Ah, il y a des balls aussi. Ok. Voilà, ça c'est des jeux de manutention, c'est déjà plus mon domaine, je suis déjà plus dans mes bails à moi, c'est bien. Est-ce que ça conduit l'électricité dans les poteaux ou c'est quoi le concept là? C'est la fameuse épreuve des poteaux, dont on m'a tant parlé. Alors jusqu'où on peut tirer sans que le truc se crosse? Pas loin en fait. Éloigne-la un peu, Kevin, arrête de faire ton chien, t'emmerdes tout le monde avec tes blagues juives. Voilà. La bouboule. Ah, la bouboule a une chaîne. C'est intéressant. La bouboule a une chaîne, et la chaîne réattire la bouboule une fois que t'as fini. Ah bah, ça va pas être chiant, c'est ça ce qui est bien. Et... c'est qu'on va pas se faire chier. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Non, mais... Ok. On va mettre une vraie tenue de nouveau. Vous savez quoi? On va mettre ça. C'est bien ça. Pantalon isolant anti-électricité, je le sens bien là sur cette quête. Alors. Visiblement, une fois que c'est alimenté ou pas? Non, d'accord. C'est juste qu'il y avait le boulet qui... Ok, d'accord. Alors. C'est quoi le concept? Ah, mais il y a du monde là-bas! Attendez, on va d'abord s'occuper de nos charmants visiteurs. Bonjour, vous venez pour le séminaire?
Ah, malheureusement, ça a été annulé. Mais c'est gentil de votre part. Alors. Ça vaut le coup de prendre une Switch pour jouer à Zelda? Oui. Tu peux pas juste utiliser ton pouvoir de foot pour tricher. C'est pas faux. C'est tellement pas faux que je serais contenté d'essayer juste pour voir. Ils ont bien dit en maintenant X, non? Non. J'appuie pas sur X. J'appuie pas sur X! Non, parce que X est la touche pour sauter. Il a dit que c'était en maintenant quoi? Visiblement, y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas mon pouvoir de foudre. Je dis peut-être de la merde. C'est pas ce que je voulais saisir. Ok. Oh, chiotte! Ok. D'accord. On comprend mieux la situation. C'était de la bonne baise. Il manque un rouage. Oh non ! Ok ! Ok ! D'accord. Tel Francis à la grande époque, je commence à comprendre. Alors. Par hasard. Vous voyez pas une sorte de rouage à la con quelque part dans le coin ? Non, mais 300 balles. On prend. On va reprendre ça et on va expérimenter avec notre corps. Est-ce que tu peux me rendre mon... J'ai besoin de ma... S'il te plaît, merci. Non, ça, ça nous le retourne aussi. Ça retourne pareil. Ça retourne pareil. Et vous, là-bas, vous faites quoi? Vous retournez ces trucs-là sur le côté. Pose-moi ça ici pour l'instant. Est-ce qu'elle est là en bas dans la flotte, le rouage? Est-ce que c'est aussi con que ça? J'ai vu qu'il y avait une sorte de coffre qui traînait là-bas. Bon. Et là, je viens de réaliser que je viens de faire une énorme connerie, vu que j'ai éteint l'ascenseur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer vu que je peux aller récupérer une des caisses là-bas qui finalement ne sert pas à grand chose pour l'instant. Alors. Allume-toi, c'est le prix. D'accord. J'ai poussé le boulet de 0,2 cm dans une direction. Forcément. Ma vie, c'est de la merde. Ok. Tu peux pas utiliser les pouvoirs dans les sanctuaires. Alors c'est marrant parce que la dernière fois je suis arrivé à utiliser le truc de saut dans un sanctuaire, mais du coup ça devait être un bug. Il y avait un sanctuaire où j'ai eu aucun souci pour utiliser le truc de jump, mais ça devait être un bug du coup. Oh mais ça va, on découvre, on fait le tour, oh là là. On apprend, c'est important. Il peut être où votre putain de rouage de merde? Est-ce qu'il est, si ça se trouve, juste par là? Alors faut que je prenne un de ces rouages là temporairement. Passe ici. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Donc. Donc,
toi, tu vas aller là. Ah oui, c'est un bloc de deux. Ok. Un bloc de deux, c'est intéressant. Donc si on le place là déjà pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Pour commencer. Ah. Ah oui, ok, non, c'est bon. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai, c'est juste que j'étais au mauvais endroit. Non, en fait, je l'ai pas du tout. Non, en fait, j'ai cru que j'étais intelligent, mais c'était une erreur. Et ça, vous auriez déjà pu le savoir. Alors. Non! Ok. Ah. Non mais on est concentré sur des trucs là, on bosse, on fait du taf, voilà. Compliqué. Et les démarches. Alors. Je disais. Et on le fout juste comme ça pour commencer. Non là. Alors il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Mais il y a de l'idée. Le truc c'est comment je fais pour séparer et qu'il n'y ait qu'un seul bloc qui descend afin que je puisse caser le bousin. Et l'intercaler en fait. Ou alors... Ou alors, est-ce que la vanne, c'est que je me fais chier pour rien? Et on va juste vérifier un truc de nous. Ou alors, je vais chercher un bloc de l'autre côté, je le ramène ici, on n'en parle plus, en fait. C'est moi qui suis con, ou c'est moi qui comprends pas un truc? Alors. On bloque la deuxième colonne avec la tablette. Hein ? On peut faire ça? On peut faire ça! Ah bah ouais, bah voilà! Mais je suis trop... Ok, d'accord. Vachement plus logique. J'oublie toujours les pouvoirs qui sont à ma disposition, en fait. Alors. Non. Bon pouvoir. Hop là. Raté. Ok, ça va me prendre un ou deux essais, je pense. Mais on va y arriver. Alors. Oh mais ça va, c'est aligné là! Sans déconner quoi. Bon, ok, on recommence. Non mais mets tout en place, un minimum, fais un effort, Josiane. Fais chier tout le monde là. Ok. Handicap international présente. Alors. Oh mais putain. Et ça m'a bloqué le mauvais en plus, mais quelle merde. Ça m'a bloqué le mauvais et ça se remet pas en place. Magnifique. Bon. Non, et comme je peux pas le rebalancer derrière, je vais dans le cul. Ah, oh, ça va être chiant. Ok. Lucal 467 aime ce qu'il est en train de voir. Hein. Il trouve ça absolument magnifique. Il trouve que c'est du gameplay de qualité et du coup fait le bon choix dans la vie et décide de rejoindre la maison du bonheur. Merci à lui. Même si je pense que tu devrais peut-être aller voir quelqu'un. Parce que je... Mais pourquoi... Pourquoi, à 2 pixels près, tu casses les couilles? Et pourquoi, avec ce putain de motion control, je n'arrive pas à gérer les choses comme j'aimerais les gérer? Ah, c'est de la faute de la manette, c'est une excuse de sac. Peut-être.
Ça n'empêche pas qu'elle peut être vraie de temps en temps aussi. Du premier coup. C'est un one shot. Ça se respecte. Ah oui, c'est pas le bon pouvoir. Y'a un coffre derrière. Y'a un coffre derrière. Ah mais c'est ça le talent, c'est réussir des sanctuaires comme ça du premier coup, sans aucune hésitation, sans aucune aide, vous voyez, c'est aussi ça ce qui est bien. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est ça les professionnels du jeu vidéo, vous voyez, c'est... C'est ce qui nous rend meilleurs que des gens comme vous, vraiment. Faut pas le vivre mal, c'est normal, hein. C'est la différence entre les gens qui ont du talent et voilà quoi. C'est pour ça que cette carrière n'est pas donnée à tout le monde. Alors... Merci Lucas, kiffe ta life et sois frais dans ta tête. Et le quatrième truc. C'est cool. Bon, on vient juste de passer une demi-heure sur la sanctuaire. Il nous reste plus qu'une heure 02. Pas de problème. Trouve pas d'excuses, ton ski est en panne. Non, mais ça c'est qu'une impression, ça. Ah, oh, et puis ça c'est du jugement, ça. Donc. Bon. Cuisine. Et on est parti pour aller faire le château de Ganon. Il nous reste une heure avant le nouvel an. Je pense pas qu'on va le torcher en une heure, si je suis un peu franc avec moi-même. Mais, après tout, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, château d'Hyrule, c'est par là. On va donc partir du relais des marécages, où il y a un peu de cuisine. On est parti. J'y crois à mort. J'ai l'absolue certitude qu'on va y arriver, mais... One shot. One take, good take. Non, je ne suis jamais allé au château. Je suis déjà allé au donjon, mais ça concerne plutôt ma vie privée personnelle, en fait. Mais je ne suis jamais allé au château. Je vais aller direct à Ganon depuis le début. J'ai effectivement entendu dire ça. Mais comme je suis... Alors, je sais que ça s'est pas encore vu au stream pour l'instant, parce que c'est... J'essaye de le cacher un peu, car c'est des subterfuges assez habiles. Mais en fait, comme je suis très mauvais, bah, j'ai tendance à pas aller directement me friter le boss final avec un cœur et demi et un pénis d'ado. En fait, c'est ça le principe.